Chers enseignants et enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 16 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes gens, des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois de décembre 2022. Et par la foi, je vous souhaite joyeux Noël et bonne et heureuse année 2023 d'avance au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 16 de l'école du dimanche des jeunes gens et des jeunes, qui sera enseigné le 18 décembre 2022. Le titre de la leçon est « Le leadership, le sens et les théories ». Le leadership, le sens et les théories. Prions. Père, aide-moi à comprendre la dynamique du leadership. Père, aide-moi à comprendre la dynamique du leadership. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En leçon d'aujourd'hui, dans le passage biblique qui est tiré du livre de Matthieu 20, 25 à 28, Matthieu 20, 25 à 28, dans ce chapitre 20 de Matthieu, Jésus enseigne à propos de servir les autres, surtout dans le verset 25 à 28. Jésus enseigne à propos de servir les autres. En 25, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Et que les grands les asservissent. » En 26, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur. » 27, « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » En 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Dans le domaine laïque, séculier, le leadership signifie d'être au-dessus, de pouvoir tyranniser les gens. Mais dans le domaine chrétien, dans le domaine du royaume des chrétiens, quand vous servez, vous êtes le plus grand. Donc, il faut comprendre ça dès maintenant. Un verset à mémoriser dans cette leçon, verset à mémoriser, se trouve dans les psaumes 78, 72. Psaume 78, verset 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Et David les dirigea avec un cœur intègre, pur, sincère, et les conduisit avec des mains intelligentes, pas la main forte, pas la main tyrannique. En introduction de la leçon, tout s'élève et s'effondre avec le leadership. Tout s'élève et s'effondre avec le leadership. Plus le leadership est habile et efficace, plus le groupe ou l'organisation fonctionne bien et plus le potentiel de croissance augmente. Si certains affirment que les leaders sont nés, la formation d'un véritable leader n'est pas un sprint, c'est pas un 100 mètres, mais un marathon, une course de longue distance. Il est donc opportun d'apprendre soigneusement et minutieusement ce qu'est le leadership et d'être compétent dans ce domaine. Le problème des pays africains, le problème de certaines organisations et sociétés dans le monde entier est le problème du leadership, des directions. Sachez en tant qu'enseignant que vous n'avez pas enseigné les objectifs de la leçon, les objectifs pédagogiques ou d'enseignement lors de la classe. C'est pour vous aider et guider à savoir comment enseigner. Dans cette leçon, en
l'objectif de la leçon, nous voulons apprendre aux élèves ce qu'est le leadership. L'objectif d'enseignement ou pédagogique. À la fin de la leçon, de cette leçon, les élèves devraient être capables d'expliquer ce qu'est le leadership, d'identifier en pays les différentes théories de leadership, de faire la différence entre le leadership laïque ou séculier et le leadership chrétien. Le leadership laïque ou séculier est très différent du leadership chrétien. Que Dieu nous donne la compréhension de cette leçon au nom de Jésus-Christ. En revue du passage biblique, Matthieu 20, 25 à 28, Matthieu 20, 25 à 28, Jésus enseigne à propos de servir les autres. Dans le domaine chrétien, dans le royaume des chrétiens, nous sommes ici pour servir Dieu et servir les autres chrétiens, servir l'humanité autour de nous. Dans ce passage biblique, il incombe aux enseignants d'étudier en profondeur ce passage biblique et de pouvoir trouver les idées qui se trouvent à la fin des portiers et de pouvoir avoir une sorte d'avance, une sorte de compréhension sur les élèves et pouvoir les enseigner correctement. En méthode d'enseignement, c'est l'enseignement magistral. La méthode d'enseignement, c'est l'enseignement magistral. Mais cela ne veut pas dire que vous devez monopoliser la parole comme dans les campus des universités. Il faut partager la leçon et faire à ce que les élèves puissent participer dans la leçon pour qu'ils puissent dire et faire des choses qui leur feront avoir retenu au moins 90% de ce qui est enseigné. Nous avons deux grandes lignes dans la leçon. La grande ligne de la leçon 1, définition du leadership. Définition ou sens du leadership. En point 1, de nombreux chercheurs ont tenté de définir ou de décrire le terme de leadership. Par exemple, on dit que le leadership est une relation entre ceux qui aspirent à diriger et ceux qui choisissent de suivre. Ça, c'est une théorie. Par exemple, on dit que le leadership est une définition. Ça, c'est une des définitions de leadership. Par exemple, on dit que le leadership est une relation entre ceux qui aspirent à diriger et ceux qui aspirent à ceux qui choisissent de suivre. Dans Jean 21, 3, Jean 21, 3, c'est l'épilogue du livre de Jean, de la fin. Jésus apparaît à ses disciples. Et dans le verset 3, Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher et lui dire, nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Je prie que ce ne soit pas votre sort au nom de Jésus-Christ. En point 2, en tant que définition de leadership, le leadership est un processus par lequel un individu influence un groupe d'individus pour atteindre un objectif commun. Un individu influence positivement, puisque l'influence peut être négative. L'influence peut être séculière, laïque. Dans ce cadre, dans le cadre de cette leçon, nous parlons d'une influence positive, bonne influence, pieuse. En Marc 3, 14, Marc 3, 14, dans le chapitre 3 de Marc, la Bible, Jésus choisit les 12 apôtres. Et dans le verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Première étape pour être avec Jésus-Christ et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ça, c'est le leadership. Jésus a choisi les 12 apôtres et pour qu'ils soient avec lui et puissent apprendre sous sa tutelle et pour les envoyer prêcher la parole de Dieu, l'évangile, avec le pouvoir de chasser les démons. Ça, c'est le leadership. Le leadership est tout comportement qui influence les actions et les attitudes des autres pour atteindre certains résultats. En Genèse 7, 5 à 7, Genèse 7, 5 à 7, ici, le déluge couvre la terre et nous, et dans le verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. En point 3, les valeurs sociétales
les valeurs de la société déterminent si le leadership d'un individu est positif ou négatif. Dans Ésaïe 9:16, il s'agit de la colère de l'Éternel dans le chapitre 9 d'Ésaïe, la colère de l'Éternel contre Israël. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. Je prie que ce ne soit pas notre sort au nom de Jésus-Christ. En fonction des objectifs et des résultats poursuivis et des moyens utilisés pour influencer les autres. En point 4, le leadership chrétien est un comportement interpersonnel. Un comportement interpersonnel. Dans Jean 10, 27, il s'agit ici du bon berger de ses brebis. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est une relation entre un chrétien mûr qui est prêt à prendre des responsabilités et un groupe de croyants en Christ qui sont prêts à être des disciples responsables dans le but de les influencer pour atteindre l'objectif commun de faire la volonté de Dieu dans le monde, dans ce monde et d'aller au ciel. 1 Corinthiens 11:1, la Bible dit, Paul, c'est Paul qui parle ici, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » En d'autres termes, « Suivez-moi, imitez-moi, comme j'imite Jésus-Christ, comme j'imite le leadership de Jésus-Christ. » En point 7, un leader est quelqu'un qui peut voir comment les choses peuvent être améliorées et qui rassemble les gens pour aller vers cette meilleure vision. Les leaders peuvent travailler à faire de leur vision une réalité tout en donnant la priorité aux personnes. En point 6, il ne suffit pas d'être capable de motiver les gens. Les leaders doivent faire preuve d'empathie et de sympathie et de se rapprocher des gens pour réussir. Les leaders ne doivent pas nécessairement venir du même milieu ou suivre le même chemin. Les futurs leaders seront en fait plus diversifiés, ce qui apporte une variété de perspectives. En activité de classe 1, dans cette leçon, le leadership, le sens et les théories. Les élèves doivent partager avec la classe la manière dont ils ont influencé une décision particulière dans leur foyer, leur église ou leur lieu de travail. En grande ligne de leçon 2, les théories du leadership. Les théories du leadership. Diverses théories du leadership ont vu le jour au fil des ans pour tenter d'expliquer les complexités du leadership. Les théories suivantes offrent une vision diversifiée et représentative du leadership. En point 1, théorie du grand leader. Les théories du grand leader partent du principe que les grands leaders naissent et ne sont pas créés. Jérémie 1, 5 en parle et Juges 13, 5 parle de la naissance de Samson. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. En point 2, les théories des traits de caractère. Les théories des traits de caractère. Semblable à certains égards aux théories des grands leaders, les théories des traits de caractère supposent que les gens héritent de certains comportements, qualités et traits de caractère qui les rendent aptes au leadership. Dans 2 Rois 14:1-3, dans ce chapitre de 2 Rois 14, Amathia règne à Juda. En verset 1 à 4, la seconde année de Joas,
fils de Joachas, roi d'Israël. Amatia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jordan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Il agit entièrement comme agit Joas son père. Les théories situationnelles proposent que les leaders démontrent un style particulier de leadership en fonction de la situation donnée. Dans le livre de 1 Corinthiens 9, 19 à 20, 1 Corinthiens 9, 19 à 20, Paul serre ses doigts. Il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. En point 4, les théories comportementales fonctionnelles ou fonctionnelles. Les théories comportementales du leadership sont basées sur la croyance que les leaders sont faits et non nés. Le contraire des théories du grand leader. Dans Daniel se trouve ici dans la cour de Nebuchadnezzar. Dans le verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dans le verset 20 à 21, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Point 5. Les théories transactionnelles se concentrent sur le principe selon lequel les disciples, les suiveurs, sont motivés par un système de risques et de récompenses. Si les individus et les équipes atteignent leurs objectifs identifiés, ils seront récompensés. Et s'ils ne réussissent pas, ils seront punis. Matthieu 25, 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30, il s'agit de la parabole des 3 serviteurs. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, les fit profiter, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte, comme le Seigneur viendra nous faire rendre compte de notre vie ici sur terre. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien,
bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite de lui et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai point vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je prie que le sort du dernier serviteur ne soit pas notre sort au nom de Jésus-Christ, mais que les sorts du premier et du second serviteur soient notre sort. Dieu nous a donné des talents, il nous a donné des grâces, il nous a donné des talents, il nous a donné, il a investi dans notre vie. Nous devons utiliser nos talents pour la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu, pour le bienfait, pour le profit de l'humanité autour de nous. Que Dieu nous donne la compréhension au nom de Jésus-Christ. En point 6, les théories transformationnelles reposent sur l'idée que les leaders motivent les disciples, les suiveurs, ceux qui les suivent, les disciples. Cela incitera les membres de l'équipe ou les suiveurs ou les disciples à agir pour le bien de l'équipe. Dans Jean 14, 12 à 14, ici, Jésus dit qu'il nous dit ici qu'il est le chemin qui mène au Père. Sans Jésus, vous ne pouvez pas avoir accès au Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et si cette chose n'existe pas, je le prierai pour vous. Et c'est ça que Jésus nous dit. Quand nous remettons notre vie à Jésus-Christ, il est dans la possibilité, il a la capacité, il a l'habileté de pouvoir nous bénir et d'exaucer toutes nos prières. Et de prier des réponses, des exaucements à une prière, à nos prières dans la vie. En activité de classe 2, les élèves doivent choisir et discuter de la théorie du leadership qu'ils adopteraient en tant que chrétiens et partager les raisons de leur choix avec la classe. En conclusion, dans cette leçon, chaque homme a en lui un trait de leadership. Découvrez le vôtre avec l'aide du Saint-Esprit et décidez d'être un leader selon le cœur de Dieu, un leader pieux, un leader qui a la crainte de Dieu, un leader qui s'efforce de pouvoir utiliser ses talents de leadership pour la gloire de Dieu et pour le bienfait et le profit de l'humanité qui se trouve autour de lui. En évaluation, l'enseignant doit demander aux élèves d'expliquer ce qu'ils entendent par leadership. En prière de clôture, Père, donne-moi la grâce d'influencer des vies pour ton royaume et le monde entier. Père, donne-moi la grâce d'influencer positivement et pieusement des vies pour ton royaume et le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En leçon de devoir, les élèves doivent écrire 5 descriptions erronées du leadership dans le système mondial. Les élèves doivent écrire 5 descriptions erronées du leadership dans le système mondial. En appel au salut, si vous ne remettez pas votre vie sous le leadership de Jésus, vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Jésus est notre leader suprême. Si vous ne remettez pas
remettez pas, vous ne vous remettez pas sur le leadership de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Donc, c'est à vous d'accepter que vous êtes pécheur, de confesser vos péchés à Dieu, de croire que Jésus est le Fils de Dieu et de le recevoir dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Prenez cette décision. Vous avez pris certaines décisions dans la vie que vous avez regrettées. Mais si vous prenez la décision de recevoir Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur et Maître personnel, je vous le dis, vous ne le regretterez pas dans la vie jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, je prie que Dieu vous donne la grâce de pouvoir prendre cette décision. Prenez cette décision, pas demain, maintenant. Puisque maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et Dieu vous aide et vous bénisse pour l'écoute et l'étude de cette leçon sur le leadership. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt. Amen.